Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau Tech Live du 27 février 2016. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve ce soir pour un Tech Live, aussi étonnant que cela puisse paraître. Je suis accompagné de Joris. Désolé, il n'y avait pas ton micro, on n'a pas entendu le cri magnifique que tu as poussé. Bonsoir. Alors, Joris est là ce soir, c'est le survivant de l'équipe, bah, comme on disait précédemment, de bras cassés que nous avons actuellement. Non, pas du tout. Si, si, si. Un petit peu. Mais du coup, en fait, on a effectif très réduit. Parce que, genre, il n'y a personne qui est là. Je sais pas, il y a eu une hécatombe, je sais pas ce qui s'est passé. Non, mais sincèrement. Genre, j'ai demandé un peu à gauche, à droite. Bon, ok, j'ai demandé il y a 15 minutes, mais j'ai demandé un peu à gauche, à droite, et genre, les gens ne sont pas là. Qu'est-ce que vous faites? Enfin si, il y a peut-être les gens du stream qui sont là, mais genre, à part ça... Donc enfin bref, de toute façon ça, au Le final... Pierre, il écho sur Facebook, là, il peut pas venir. Je sais pas ce qu'il fait, hein. Bah, lui, il m'a prévenu, hein. Il m'a prévenu, il m'a dit où je serai pas là, je dis ouais, balèque. Donc, En gros, ça tombe au final presque bien. Parce que, en fait... J'ai fait un sondage avant, d'ailleurs j'ai même pas regardé les résultats. C'est vrai qu'à la base on est en démocratie, donc on va essayer de regarder les La résultats. démocratie. Voilà la démocratie. C'est un live sur Premiere et en même temps un live un peu pour montrer comment je vais entre guillemets travailler pour faire le montage des vidéos qui sont sur ma chaîne. Donc au final, ça rajoute un peu d'intérêt à la chose. C'est pour vous faire découvrir des choses. Ouais. Voilà. Tout à fait. Ah mais c'est toi qui as posté ça. Ah oui, effectivement, t'as quand même beaucoup mangé. Hein. Ah oui, là... C'est gros, quand même. T'as réussi à Ouais. mettre tout ça dans ta bouche? Tout à fait. Étonnant. De plus en plus étonnant. C'est ça. Qu'est-ce que je C'était voulais bien dire? gras. Oui, ça, j'imagine. Tu nous apprends et en même temps, tu nous sors une vidéo plus vite et ça t'avance. Tout le monde est content. Alors oui! Effectivement, Ken Attack, c'est ce que je disais à Joris aussi tout à l'heure. D'où ce que t'as posté avant. C'est pour prendre de l'avance sur mon retard. Parce qu'en fait, je suis en retard sur la vidéo. Et pour essayer je sais que je suis en retard et que je serai en retard. Bah, je le suis déjà, je le serai. Et du coup, je prends de l'avance sur du retard à venir, qui en même temps est déjà bien entamé. On dirait de la philo Ouais, là ouais, c'est possible. Ouais. un peu. Alors, par conséquent, j'ai ouvert Premiere là. Oh mon Dieu. Et Premiere, logiciel de montage que vous connaissez forcément. Voilà. La base. Mais là, en gros, je peux vous montrer un petit peu l'espace de travail que j'ai quand je fais un montage pour une vidéo. Une vidéo sur ma chaîne classique, pas les vidéos plus travaillées. Alors, en fait, donc du coup, en même temps, ça fait une exclu ce soir, parce qu'on va commencer du montage d'une vidéo qui n'est pas sortie, et que j'ai pas commencé à monter, alors que ça doit faire 3 mois, quelque chose comme ça, que j'ai le produit. Mais NP, 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 NP. Donc, en fait, c'est tout con, j'ai chargé le projet qui est vide, lol. C'est une vidéo que je planifie sur unboxing slash test, enfin classique. C'est pour ça que je voulais montrer ça aussi. C'est sur une enceinte. Oh, Alors, oui. Vous connaissez probablement. Enfin, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'avais fait déjà une vidéo sur une enceinte de chez Inatech. J'avais présenté d'ailleurs l'enceinte très rapidement, la Mercury Box, dans ma vidéo mise à jour, tout ça, tout ça. Et voilà, la vidéo mise à jour, ça doit faire 3 mois que j'ai sorti, et même plus, 4. De toute façon, on n'est pas à ça près. C'est un nouveau record d'ailleurs, hein, je tiens à le préciser, on peut le noter. Et donc là, on va commencer un petit peu ensemble. Je t'ai envoyé le lien de la vidéo. Ah oui, merci. Merci, 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 merci. Je Je regarde. m'excuse de la qualité. On va se filmer avec un téléphone, hein, qu'est-ce que je te dis? Bon, en vrai, faut pas le dire, mais... Oui. On a tous commencé comme ça. On a tous commencé comme Je ça, n'est-ce sais. pas? Bah oui, clairement. Alors, du coup j'en étais où? J'étais en train de montrer, voilà. En gros, là j'ai mes fichiers vidéo bruts. Du coup ça pèse combien? 5 gigas? Oh c'est que dalle. En fait, là, il y a beaucoup de choses quand on va faire les vidéos, il y a beaucoup de choses où, bah en fait il faut y penser. Au moment où on filme et pas au moment où on fait le montage. Donc là souvent par exemple vous voyez qu'il y a des plans avec la boîte. D'ailleurs j'ai un plan large et un plan rapproché.
Et en fait, souvent les vidéos, je les commence sur ce genre de plan. Parce que c'est des plans que j'essaie de filmer assez lent. Si je vous le mets à vitesse réelle, ça risque de ramer un. Non, ça rame même pas trop. Mais genre, ça souvent c'est pratique comme plan d'intro parce que c'est assez, ça dure assez longtemps et si jamais on déborde un peu à l'audio, on peut ajuster. Donc quand je les filme, en fait, j'ai fait super large. Genre là, par exemple, je peux aller de ici jusque là. J'ai vraiment un plan qui est assez long. Donc là, par exemple, j'ai délimité mon plan de départ et souvent ce plan de départ là, ça va créer ma. Je le drop là sur cette petite icône plus et ça va me créer ma composition initiale en fait avec les bons paramètres. Du coup là on peut voir que j'ai fait un plan de ouais 10 secondes. C'est même pas si long que ça en fait. Mais genre je pourrais l'étendre un peu. Mais Enfin d'ailleurs on va pouvoir profiter de la puissance d'Adobe Premiere. Voilà. Mais souvent en fait les plans d'intro comme ça je les fais un peu plus longs, c'est pratique, ça permet de présenter un peu le produit dans les grandes lignes. Que tu voulais dire? La puissance. La puissance, tout à fait. Là, on Voilà, peut c'est ça. voir que j'ai un plan rapproché sur la boîte, la boîte. Pourquoi je l'ai fait comme ça, je ne sais pas. J'aurais dû le faire dans l'autre sens, mais c'est pas grave. En fait, les plans rapprochés, c'est bien parce que ça permet à nouveau de blablater sur le produit. Mais celui-là, je vais le faire peut-être un peu plus court. Et ça. Oh, c'est un peu chiant de travailler sans double screen. Et je vais même. Un peu bouffé sur le plan suivant pour pas que ce soit trop long non plus. J'ai tendance ces derniers temps à beaucoup raccourcir la partie où je suis sur la boîte parce que des fois c'est un peu ça peut être inintéressant quoi. Donc ouais. Aussi un truc que je disais pas trop que j'utilisais pas encore spécialement à l'époque où j'avais fait les tutos mais c'est d'utiliser la molette de souris pour avancer précisément frame par Ah oui, frame bah ça. voilà, non mais dans le tuto, j'en parle pas, donc j'aurais dû quoi. Là, on peut Bah voir que moi j'ai j'ai un. découvert ça, j'ai là. Oh! Là, on peut voir, j'ai déjà. Par exemple, là, j'ai 23-24 secondes de vidéo où je vais pouvoir. Comment dire, introduire la vidéo. C'est déjà. Au-delà de 30 secondes, ça devient chiant. Sauf que bon, il y a encore. Après, on peut commencer à parler des caractéristiques techniques, par exemple. Là, on peut voir que j'ai prévu un plan où, genre. Je filme l'arrière où il y a un petit peu des choses qui sont inscrites dessus. Après, je vais pas rentrer. Souvent, j'essaye de pas trop rentrer dans les détails à ce moment-là de la vidéo. Ça spoil. Et après, Mais là, on peut. qu'est-ce que c'est que ça? Oui, et après, on peut avoir tendance à se répéter. Alors, en gros, je vais vous montrer la technique qu'utilise Tom. C'est une des autres techniques. C'est qu'on va avoir comment ils appellent ça? Son menu projet, enfin, cette fenêtre-là, où il y a les fichiers sources. Et la technique qu'il va utiliser, c'est de faire un glisser-déposer de tout le plan. Et après, avec CTRL-K, de faire CTRL-K ou d'appuyer sur C et puis de KT, de délimiter son plan comme ça. Le problème avec ça, on va juste faire une comparaison. Je vais te montrer. On va faire avec ce plan-là, par exemple, de début où j'ai un scroll. Je vais faire ta technique. Déjà, ce que tu peux voir, le souci que j'ai, c'est que j'ai le son qui vient se foutre avec. Bon, en théorie, je devrais pouvoir prendre que la vidéo. Oui. Mais ça ne veut pas. Non. Voilà, donc bref. Le truc, c'est que là, je vais devoir déplacer ça, je vais avoir le son, ça va être chiant. Donc souvent, on va aller rompre le lien, supprimer l'audio. Déjà, on a perdu du temps. Après, on va délimiter sa vidéo, c'est comme ce qu'on fait dans l'écran source. Là, le truc, c'est qu'on va devoir faire des raccourcis clavier à la con, genre CTRL-K, ou faire être sur le cutter, et puis délimiter son plan. Bon, je vais faire démarrer Des ici. trucs que tu peux pas faire à une main. MDR. Voilà. Bon, Un raccourci à la con. le. Ouais, bon, après, tu. Voilà. Bon, avec le. Donc, après, il va falloir faire cliquer là, supprimer. Après, on a notre plan. Et après, il va falloir le placer. On va falloir le placer comme ça. Voilà. Ça, c'est le temps qu'on a mis avec la technique cutter. Tu vois, technique de bois. Si on fait la même chose avec le menu source. J'ai double-cliqué sur mon plan, voilà, je veux commencer ici, je veux finir là, je fais clic-clic-clic-clic, déplacer la vidéo, je peux placer mon plan directement là où je veux, et c'est fini. Si on compare le temps qu'on met. Après, évidemment, si on est efficace quand on fait des glisser-déposer, c'est pas un souci. Le problème, c'est si on travaille avec des plans plus longs. Je prends l'exemple par exemple de ce plan-là, qui dure 1 minute, où je déballe le machin, ouais, c'est un peu chiant.
Si là on fait la technique de glisser les pesées, on se retrouve avec un truc méga long. On va être obligé de dézoomer, on va être moins précis. On va devoir. Là, 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 ça va être un bordel. Cette technique, l'avantage avec la technique là, c'est qu'on peut être précis, prendre des petites portions, les déplacer et être assez fin dans ce qu'on va faire en fait au final. Remappage temporel de ça, et c'est ce que je vais utiliser ici. J'ai tendance à plus utiliser ça parce que ça permet des transitions entre les plans rapides et les plans accélérés beaucoup plus fluides. Bon, je mets mon projet de côté avec les plans vidéo. Mais en gros, je vais avoir quelque chose d'accéléré jusque environ. Bah, ici. Je vais mettre une image clé du coup à ce niveau-là. Et cette partie-là, on va sévèrement l'accélérer. On peut voir que c'est simplement un petit glissement vers le haut. Et là, je suis à une vitesse multipliée par 3, on va multiplier par 4. Et en fait, grâce à ça, ici, on va pouvoir vraiment être précis sur le moment où ça va accélérer et le moment où ça va ralentir. Sur toute cette partie là en fait, il va retourner à une vitesse normale. Du coup, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir cette partie là qui va être très rapide où j'ai monté la tige de la vitesse, la barre horizontale de la vitesse, et après ici il va doucement ralentir. On voit pas trop la transition à ce niveau là mais je pourrais l'étendre un peu plus pour qu'on voit. Et genre là, il va doucement revenir à une vitesse normale. C'est moins abrupt, c'est moins violent que si on fait un clic droit, vitesse durée, il n'y a pas les transitions entre les plans. Ça marche vraiment bien. Donc là, en fait, j'ai un plan qui va pas durer trop longtemps, ça va. En 13 secondes. Où en fait, voilà, on voit un petit peu comment est conçu le packaging. On peut voir vraiment la transition grâce au remappage temporel. C'est vraiment assez propre. Donc là, oui, j'étais au plan, en fait. J'ai souvent des trucs, et vous pouvez voir là je le fais en one shot quand je filme souvent, je fais l'ouverture de boîte et regardez le bundle, je le fais en one shot. Donc là comme j'ai, je fais du one shot pour bundle, enfin pour les accessoires tout bordel. Donc là, par exemple, comment j'ai fait ça moi. Donc ouais là en fait l'avantage de faire du one shot c'est que on utilise la fenêtre source, hein, c'est ce que je disais Tom, le plan plus long. Et en fait on peut naviguer, on fait nos petits plans, on fait un glisser-déposer et on passe au petit accessoire suivant. Et c'est, on peut être assez fin en fait, hein, on peut vraiment être assez précis. Et ça c'est cool. Alors c'est quoi, qu'est-ce que j'ai fait des trucs là. Oula, le focus c'est un peu dégueulasse. Voilà. Mais en gros c'est assez pratique parce que du coup on avance assez rapidement. On peut choisir assez précisément la durée. Donc ouais, là par exemple, on va passer rapidement en revue les accessoires. Ouh, c'est possible. Voilà, ici à chaque fois je vais aller un petit peu plus finement régler mon plan. Je vais voir combien de temps il dure là. J'ai l'impression de faire des plans qui sont méga courts. Ouais, 7 secondes. Alors ça c'est d'ailleurs un des meilleurs accessoires je trouve de cette enceinte. C'est cette housse en 6 mini cuir. C'est le truc. Genre je trouve ça génial. Genre t'achètes une enceinte à 50 balles et il te file une putain de housse mais genre vraiment bien fini quoi. D'ailleurs j'ai galéré, regardez cette galère là. Ah non elle est trop grande, ah, je dézoome, oulala, what the fuck. Du coup c'est chiant. En fait, souvent quand tu filmes, tu fais des zooms pour recadrer mais après au montage c'est juste infâme. Alors si vous attendez un truc buglé, c'est un chien, hein, ne vous étonnez pas. Balto le méchant. Non mais il pète des piles en ce moment. Genre c'est vraiment abusé. Oh, il est vieux, il a 15 ans. Hein. La sénilité. Et du coup, ça lui réussit pas. Hein. Clic. Enfin, j'ai tapé l'écran. Ah, voilà. Et, oh mon dieu, c'est lent. Ah, GG. Oh. Alors là, on peut voir un bon gros fail des familles. Ok. Non, mais attends, j'ai filmé un truc où il y a mes connexions impossibles. What the fuck. Putain, des fois je fais vraiment n'importe quoi. Voilà, connecté, merci. Alors, là ce plan il est un peu court. Mais en haut des plans où vous allez vouloir dire plus. Ah mais là c'est bien, j'ai été intelligent. C'est à dire que quand j'ai filmé, j'ai laissé de la marge à la fin. Si jamais je débordais. Et c'est ce qu'on va ajouter. Là en gros il faudrait peut-être compléter certains plans. Enfin là c'est surtout de l'ajustement de longueur de plan. Parce que va peut-être y avoir des plans qui seront trop courts ou trop longs. C'est aussi au moment de l'enregistrement audio qu'on va réellement réussir à faire la différence quoi. Un outil pratique aussi, le clic droit dans une zone vide, supprimer, raccorder. Bon, un truc que j'ai pas montré aussi là pour le
pour le montage, mais on va bientôt s'arrêter parce qu'il est déjà 23h18, c'est tard. C'est qu'en fait, après, il faut faire tous les fondus et les transitions entre les plans. Mais du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un dossier de favoris avec des transitions qui sont dedans et les choses principales que je vais utiliser. Donc le fondu au noir, évidemment. Bon, les effets fondus enchaînés, c'est le truc de base pour pas, quand on veut pas trop se faire chier. Après, on pourrait faire des choses un petit peu plus travaillées, mais... On va direct faire un glisser-déposer dans le à l'intérieur. Et ça va permettre de montrer quelque chose que j'ai pas trop monté dans mes tutos. Genre, vous cliquez sur l'image, vous double-cliquez sur l'image si vous voulez, ou vous cliquez ici sur l'image. Vous allez dans les options d'effet. Et en fait, j'ai pas trop parlé de dans si on étend le... Si on agrandit le menu trajectoire, j'ai pas trop parlé de ce menu-là, mais qui au final est hyper pratique. On me demande, mais comment est-ce qu'on va pouvoir zoomer sur une image ou je sais pas trop quoi. On active les trucs d'image clé sur position. Et si par exemple on veut faire un déplacement, on va mettre une deuxième image clé ici. Et ben on va faire on va aller à la deuxième image clé qui est ici. On peut naviguer avec les images clés avec les deux petites flèches qu'il y a là. Et on va aller à la première, on va partir de là, on va aller là. Et après on appuie sur play. Oh là là, déplacement. Voilà. Wow. Ça c'est les images clés. Je sais pas, je crois que j'ai dû en parler dans un... J'en ai peut-être parlé dans une vidéo, mais pas forcément pour les options de trajectoire d'un élément. Mais on peut tout à fait faire. Et après, en gros, si vous voulez faire quelque chose de plus propre, vous mettez même l'échelle en plus. Genre l'échelle. Et position. Voilà, on va faire un déplacement comme ça. On va faire échelle, position. Ce qu'on va faire, c'est que par exemple, on pourrait zoomer sur une image. À partir de là. J'ai mis quoi? J'ai mis 114 en échelle. Juste AZERTY, tu peux aller crever. Va crever aussi. Voilà. Et donc par exemple, si on veut faire un déplacement genre... Oh c'est moche, attends, faut que je change l'échelle. Ah mais ça c'est le truc que j'ai le plus de mal, les trucs de fin là. Ah bon? Enfin, ouais, les outros là. Ah oui, c'est un peu chiant là. Mais genre là, par exemple, on va faire un déplacement, on va faire... On a des images clés sur position et sur échelle. En gros, ça va nous permettre... Ça va nous permettre... Ah, je sais plus... En fait, ça va nous permettre... D'avoir un double effet, par exemple. Par contre, celle-là... Bon, on va sélectionner ces deux images clés, on va les mettre plus loin pour que ce soit plus lent. Et on peut avoir un dézoom... comme ceci. Voilà, par exemple. Là, les images clés sur des images. On pourrait faire un jeu sur de la vidéo. Hein. Moi, je fais les images, mais... Après, voilà, quoi. Bon, après, oui, il y a un truc aussi sur les images clés. On peut les sélectionner, faire un clic droit, changer le type d'interpolation temporelle. Bon, c'est la manière dont ça va évoluer, dont les coordonnées, par exemple, de cette image vont évoluer dans le temps. Si là, je mets du bézier auto, ça va être plus doux. Ça va démarrer lentement et terminer du quoi plus rapidement. Du bézier auto. Pardon. C'est un mode. Il y a du bézier continu par palier par exemple. Mais là du coup ça va être chelou. Ouais, ça va être très chelou. Oui, c'est infâme même. Genre si je le mets par palier aussi celui-là. Attendez, interpolation par palier. Oui, ça ressemble à rien, hein, clairement, ce qui fait bam bam. Non, mais celui qui est bien, c'est soit du linéaire, soit du bézier ou bézier auto. Donc là, par exemple, on devrait en théorie avoir quelque chose d'assez smooth en fait. Au final, c'est quelque chose d'assez tranquillou. C'est beaucoup plus smooth que. En fait, ça démarre moins brusquement. Donc on place notre image par exemple. Je sais même plus ce que j'ai fait avant le MX Board comme vidéo. Ah, le Master Case. Ah, quand même. Ouais, ça date. Hein. Alors. Par exemple, on prend la miniature. Et là, il y a un truc pas mal qu'on peut faire. C'est qu'on fait... On clique sur trajectoire, on fait CTRL-C, on clique droit copier comme vous voulez. Hop, on va sur celle-là, on clique trajectoire, CTRL-V. Bim, on la met par-dessus. Et on va aller cliquer sur position. Ça, c'est... Donc là, on clique sur l'axe des X, c'est le premier qu'on a, et puis on peut slider avec la souris en restant appuyé. Et du coup, en fait, j'ai pas besoin de faire chier à dimensionner de nouveau l'image. Hop, on remet là. Hop, et c'est fait.
Et après, on sélectionne les deux plans de miniature, on agrandit les deux à la bonne longueur et c'est réglé. En gros, faut pas se faire chier plus que ça, hein. Mais on peut faire des choses propres avec Premiere déjà. Là, en gros, si vous voulez, si sans l'audio et sans le réajustement qu'il y a à faire, on a une vidéo de 3 minutes pour une enceinte. Voilà, et vous voyez, c'est fait. C'est pas ça, c'est en soi, juste cette partie-là, c'est fait rapidement. Hein. Donc voilà, on a une vidéo, on a. J'espère que ces petites astuces, en même temps sur Adobe Premiere, vous ont servi. On va se donner rendez-vous très bientôt. Bah, la prochaine vidéo sera probablement ce que j'ai commencé à monter ce soir. Hein. Dans tous les cas, merci de nous avoir suivis jusque cette heure tardive. Je suis pas avec le bon compte. Alors, on va se donner rendez-vous semaine prochaine, je l'espère, pour un nouveau Tech Live. Si les trous du cul sont là. Ouais, c'est ça. Et puis, j'espère rapidement pour une nouvelle vidéo. Celle qu'on a un peu travaillée ce soir, hein, voilà, on va dire que ce sera ça. Je vous souhaite une excellente soirée. Nous vous souhaitons une excellente soirée. On est deux quand même, hein. Il y a quand même quelques personnes qui sont debout. J'espère que ça vous aura plu. Ouais, n'hésitez pas à nous donner votre retour, tout à fait, tout ça. On se retrouve très bientôt. On vous souhaite une excellente nuit, bon dimanche et à la prochaine. Ciao, ciao. Salut, bonne nuit. Bonne nuit.